Good morning, Aleid, et le sutra aujourd'hui, le Lonishmat, Amram Yona Ben Chana, Peggy Bat Esther, Zara Bat Mazal Tov, Shishportish, Simon Bat Leroni, Michel Novikov, et aussi Nirfouat, Avraham Norbert Ben Fortuné, Mazal, Betor Shal Chole Israël. Si vous êtes aussi dédié au chien d'étudier Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étudions Sanhedrin, Perek Yud, Mishnah Vav. Ve et kol shelala tikbots el toch rechova, ve gomer. Imena rechov, osina rechov. היה רחוב החוץ עליו, קונסין אותה לתוכה. שנאמר, ושרפת באש את העיר ואת כל שללה, כליל לשם אלוקיך. שללה ולא שלל שמיים. מכאן אמרו, ההקדשות שבה ייפדו, ותרומות ירכבו. מעשר שני וכתבי הקודש יגנזו. כליל לשם אלוקיך. אמר רבי שמעון, אמר הקדוש ברוך הוא, אם אתם עושים דין בעיר הנידחת, מעלה אני עליכם כאילו אתם מעלין עולה כליל לפניי והייתה תל עולם לא תעשה גנות ופרדסים דברי רבי יוסי הגלילי רבי עקיבא אומר לא תיבנה עוד כמו שהייתה אלא נבנית אבל נעשית היא גנות ופרדסים ולא ידבק בידך באומה מן החרם שכל זמן שהרשעים בעולם חרון אף בעולם עבדו רשעים מן העולם נסתלק חרון אף מן העולם. Dernière משנה sur la עיר הנידחת על הסיטה מודית, הוא קומפלט אל ההלכות, avec à présent. ואת כל שללה תקבוץ אל תוך רחובה. נדע פרי לפסוקים, dans la משנה דלת, ורפורטה לבאי וקרי, כי פעלה, רסמבלה תות לרישס, au centre de la place, אל תוך רחובה, au centre de la place publique. Donc, on apprend qu'il faut qu'il y ait une place publique dans cette ville. Si on a une ville sans place publique, qu'est-ce qu'on fait ? Imen la rechov, si elle n'a pas de rue, c'est-à-dire de place publique, aussi de la rechov, eh ben on lui fabriquera une place publique. On cassera une maison là-bas, et on fera qu'il y ait une place publique, et on rassemblera tous les biens de la ville pour faire un grand feu de la gorge. Un grand feu, vraiment pas la gorge, tout le contraire même. Haya rechova chutzala, si, maintenant, quelque chose d'original, c'est que la ville, elle était bien alignée avec chaque maison, des rangées de maisons, mais il n'y avait pas de passe publique là-bas, parce que la passe publique, elle était à l'extérieur. Il y avait là-bas à l'entrée du Moshav, de la petite ville, là, il y avait là-bas une place, mais il s'avère qu'elle n'est pas à l'intérieur des murailles de la ville. Eh bien, qu'est-ce qu'on fera ? Konsin oto letocha, on fera entrer cette place à l'intérieur de la ville, soit on cassera la muraille, on contournera la muraille, on entourera cette place publique, de manière à ce qu'elle soit une partie très grande de la ville, et alors là, on rassemblera tous les biens dans cette place, et on les brûlera là-bas. Shenemar, comme le dit le verset, Vesaravta ba'esh ta'ir. Je pense que le Shenemar, il ne faut pas le lire. Il n'a pas été effacé chez moi, mais logiquement, en tant que le premier Shenemar de la Mishnah a été effacé, celui-là aussi, il faut l'effacer. Vesaravta ba'esh ta'ir, Vet kol shlala kalil lashem elokecha. Le pasteur qui maintenant insiste en nous disant, tu brûleras donc, au feu, tu feras passer au feu toute la ville, et toutes ses richesses, intégralement, pour Hachem. De là, on apprend Shlala, ses richesses, en insistant, on n'a pas dit être à Shalal, mais en tout cas Shlala, la ville, les richesses de la propre ville, donc Velo, Shalal, Shamaim. Tu n'auras pas besoin de brûler les richesses qui appartiennent au ciel. Soit, Mikan Amro, de là, on déduit nos maîtres. Avec des shot Sheba, Ipadou. S'il y avait des objets qui étaient dedans, Kadosh. Ouais, quelqu'un, il peut sanctifier toutes sortes de choses. Je peux sanctifier ce standard que maintenant je vais le donner au Beth Amikdash. Qu'est-ce que je dois faire maintenant ? Bien, on va évaluer que le standard coûte 200 shekels. Je vais transférer la doucha du standard sur de l'argent. Et après le standard, il devient chol. Il y a une discussion, est-ce qu'il faudra le brûler ensuite ? Ou est-ce qu'on pourra même l'utiliser ? Discussion Rambam Raivet, ça va porter ici dans les Mefarshim, je ne sais plus où je l'ai lu. D'accord ? En tout cas, donc, le Hekdesh, on ne va pas dire « Ah, brûle ce qu'il y a dedans !» Non, parce que cette fois-ci, le standard, puisque je dis qu'il appartenait au Beth Amikdash, c'est-à-dire qu'il appartient au Beth Amikdash, il n'appartient plus à la ville. Dans ce cas-là, lui, il sera sauvé, et on pourra donner sa contre-valeur au Beth Amikdash. D'accord ? Si toutefois, une halakha particulière, si toutefois il y avait dedans des korbanotes, des sacrifices, il y avait dedans quelqu'un, il avait pris une hola, il avait prévu d'amener une holocauste, une hola, et... Je n'avais jamais fait attention, hola, holocauste... C'est sûr qu'ils sont un peu cousins tous les deux. D'accord ? Une hola, une vache, un taureau plutôt, parce que la hola, elle est toujours masculin. Donc un taureau ou un mouton. Et il avait prévu de l'amener en corban hola,
Et il s'avère que maintenant, il a fauté lui aussi, ou bien même c'est un des tzadikim, en tout cas. Alors là, il y aura un statut spécial, c'est qu'il faudra malgré tout tuer l'animal, non pas parce que la Torah l'impose, mais parce que ça a été il a été repoussé du Hekdesh. Il est devenu moche. Comment ça s'appelle? C'est devenu Zevach Rechaim Toeva. Les korbanot qui appartiennent à des Rechaim, ils sont Toeva, ils sont une abomination. Hachem, il n'en veut pas. D'accord? C'est un cas particulier. C'est important dans le Sifre Israël. Shlala, donc Velo Shlal Shamaim, on Mikan Amrudela, on a pris avec des choses chez Baipadou, les biens qui étaient sanctifiés, ouais, sacrés. Alors, on pourra les racheter et les donner ensuite au Bet Amigdash. Ou Trumot Irkavu. S'il y avait dedans des aliments qui étaient Truma, qui appartenaient au Kohanim, alors la Mishnah enseigne de les laisser pourrir. En réalité, on parle de quelque chose de très spécial. On parle qu'il y avait un Kohen, c'est-à-dire. La Trouma, vous connaissez un petit peu les règles, je suppose. Lorsque je fais entrer mon blé dans la grange, par exemple, alors je dois prélever d'abord un 40e, 50e, 60e, ce que je veux, et le donner au Kohen. C'est ce qu'on appelle la Trouma. Cette Trouma-là, on n'a pas le droit de la manger. Hein. Israël n'a pas le droit de manger cette Trouma. Ça ne doit être que le Kohen. Quand je le donne au Kohen, ça devient le bien du Kohen. Mais tant que c'est dans les mains du Israël, c'est ni le bien du Kohen, ni mon bien à moi. De ce fait, la Mishnah nous enseigne que la Trouma qu'il y a dedans, on ne pourra plus la manger. Là, on parle uniquement d'une Trouma qui a déjà été donnée au Kohen. Donc une fois qu'elle est arrivée chez lui, c'est devenu son bien. Si le Kohen, il a fauté, donc cette Trouma aussi, elle a un statut qu'il faut la détruire. Seulement, on ne va plus la détruire en la brûlant, on va juste la laisser pourrir. D'accord ? Si toutefois c'était un Israël qui avait une trauma qui n'avait pas encore donné au Kohen, il pourra la donner au Kohen. Le Kohen pourra venir se servir après, étant donné qu'elle n'a pas été interdite, puisque ça n'appartenait pas aux habitants de la ville. D'accord ? Maaser Sheni Vekidve Akodesh Iganezu. Si il avait du Maaser Sheni, c'est le même principe qu'un Israël, il avait dedans du Maaser Sheni, c'est-à-dire une des dîmes qu'on prélève, la deuxième dîme, qu'on doit monter à Yerushalayim, cette fois-ci elle lui appartient. Si j'ai du Maaser Sheni, ça m'appartient. Donc de ce fait, s'il faisait partie de la Irani Dachat, c'est devenu un bien lui qui doit maintenant détruire. Alors de nouveau, pour le respect, il l'enterrera, il ne le brûlera pas, mais en tout cas, il l'enterrera, il ne pourra plus la consommer. Donc Maaser Sheni, Vekidva Kodesh. Kidva Kodesh, c'est tous les écrits saints. S'il a des siffrés Torah, alors de nouveau, il faut les détruire, certes, mais on ne pourra plus les brûler. Qu'est-ce qu'on fera? Iganezu, on les enterrera uniquement pour le respect. D'accord? La Mishnah nous enseigne. La Torah nous dit que Vaita tel olam kalil Hashem elokecha. Tu la brûleras toute la ville entièrement en l'honneur d'Hashem. De là on apprend Amar Rabbi Shimon. Rabbi Shimon Bar Yochai nous enseigne. Amar Kadosh Baruch Hu, Hashem il a dit imatem osim din ba'ir ani dachat. Si vous veillez à bien appliquer la halacha, le statut de la ir ani dachat, de la cité maudite, en détruisant la ville, en la brûlant, ma'ale ani alechem, je vous considérerai keilu atem ma'alin ola kalil lefanai, comme si que vous allez me faire monter devant moi une ola, un holocauste devant moi intégralement. Donc Hachem veut qu'on applique ce statut de la ir ani dachat, si chas v'shalom cette halacha a été réalisée. D'accord? Suite de la Mishnah, c'était ce qu'on rapportait dans le psukim, Vaïta tel olam lotibaneod. Elle sera une ruine éternelle qui ne sera jamais reconstruite. Il ne faut pas dire pour le moment le lotibaneod. Rabbi aussi s'intéresse juste au mot Vaïta tel olam, elle sera une ruine éternelle. Lote ase ganot ou pardesim. Je n'ai pas le droit, je dois la laisser en ruine pour l'éternité. De ce fait, j'ai même pas le droit, supposons que c'est une ville. Maintenant, j'ai envie d'en faire des champs. Alors malgré tout, je n'ai pas le droit d'en faire, même des champs, je n'ai pas le droit d'en faire. Je n'ai pas le droit d'y enlever ce statut, j'ai le droit, je ne peux plus rien en faire. Je dois aller laisser une ruine éternelle, moche, et que pour qu'à jamais qu'on se souvienne de ce qu'il y a eu ici. Telle est la vie de Divré Rabbi Yossi Agalili, telle est la vie de Rabbi Yossi Agalili. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva enseigne, non. Il y a marqué, va être à tel olam, ce sera une ruine éternelle. Lotibaneod, tu la reconstruiras plus. Lotibaneod, les Kmoshiaïtaïn anivnit. Ah, comme le statut qu'elle avait, tu ne reconstruiras plus. Une ville avec des maisons, des habitants, une... D'accord ? Ça, tu ne le feras plus. Avalnaasit et guidant tout par des signes, mais tu pourras faire des champs et des vergers. Fin de la paracha, il y avait marqué dans le dernier passage, Velo Yidbak Beyadecha Me'uma Min Acherem. Rien ne se collera à ta main de ce qui a été consacré, brûlé, voué au feu. Et
Les man yashuv charon af Hashem. Je ne sais plus comment c'est dit dans le pasuk. Regardez vite fait, je l'ai ici. Il y avait là-bas le mamash l'avant-dernière. Afin que le courroux d'Hachem s'apaise, les maniachou Hachem et Charonapo, que le courroux du divin s'Hachem, et qu'après que nous reprenons en pitié. Pourquoi? C'est-à-dire, donc le pasuk insiste, tu récupéreras rien, il faut tout détruire, qu'on laisse aucun souvenir de cette ville, qu'elle soit brûlée entièrement, et tous les biens qui soient brûlés entièrement. Et afin que le courroux d'Hachem et la colère d'Hachem s'apaise, chez Kolzman Jarishaim, Baolam, tant que les Rishaim, les impies sont encore sur terre, Charon Av Baolam, il y a de la colère sur terre. Parce qu'on voit, Chas V'Shalom, des catastrophes s'abattre, des fois atteindre, des fois même des tzadikim. Il faut savoir, Kol Israël, Revim, Zelazé, on est tous concernés les uns par les uns des autres. Des fois, il y a des tzadikim qui souffrent pour expier les fautes d'autres, et des fois, ça va très très loin. Et voilà, dans les Rishonim Hashamayim, c'est loin à expliquer pourquoi c'est comme ça. Il y a bien sûr tout le El Emuna Ven Avel Yahwa, tout ce qui fait Hashem, c'est fait avec une justice très très rigoureuse. Il n'y a pas de doute que s'il décide de faire souffrir un tzaddik pour expier les fautes des Rishonim, parce que Hashem il a ses Rishonim, pourquoi il le fait? Mais il faut savoir que malgré tout, tant qu'il y a des Rishonim sur terre, ça fait qu'il y a des tzaddikim qui souffrent. Et ça rejoint ce qui a écrit ici, que tant qu'il y a des tzaddikim sur terre, alors Hachem est en colère contre le monde. Comme quelqu'un qui m'a irrité, même avec ma femme et mes enfants qui sont très gentils, je suis irrité aujourd'hui. Dès qu'ils vont un tout petit peu parler de travers, je vais tout de suite prendre la mouche. Pas moi, parce que je suis un grand tzaddik, j'ai des bonnes midotes, mais quand même, ouais, on connaît bien la situation. Avdou Rechaim, Mina Olam, et tandis que lorsque les Rechaim sont détruits du monde, alors Nistalek Haron Af Mina Olam, là, le courroux divin s'en va du monde et Hachem nous reprend avec Rachamim, Verichamcha, comme le pasuk nous rapporte. On fait à présent le Vintenora. Aïta Rechova Chutzala. Ici, il y avait une place publique qui était à l'extérieur de la ville, c'est-à-dire Im Makom Kibbutz Bnei Airaya Chutzala. Si le lieu où les habitants de la ville se réunissaient, c'était à l'extérieur de la ville. Là-bas, ils faisaient le marché et tout ça. Konsinota Letochair. Eh ben, il faudra faire entrer cette ville, cette place à l'intérieur de la ville. Comment? Parce qu'il y a une halakha de faire cette place à l'intérieur de la ville. Rechov, c'est quoi un rechov quand tu dis une rue? Platia gdola, une grande place. Ça se sent platia, place, ça vient du latin à mon avis. Avec des choses, les biens sacrés qui étaient dedans seront rachetés. Klomar en Israfin, on ne les brûlera pas. Et la tzrichin p'diya, kish'ar kol hekdeshot, mais ils doivent plutôt être rachetés comme tous les hekdeshot. Ou tromot, après que je vous avais rapporté, qu'est-ce qu'on fera ensuite, une fois qu'on aura fait passer la kdusha du standard, est-ce que le standard on pourra l'utiliser ou pas? Je vous ai rapporté une machloket, Rambam Ra'avad, c'est rapporté ici dans le Tiferet Israël. Ou tromot, irakevu, les biens trouma, la trouma qu'on donne au Kohen, alors on la fera pourrir, moisir. De la Gemara, on explique qu'on parle uniquement d'une trouma qui était déjà arrivée dans les mains du Kohen. Des mamon Kohen, ou qu'alors c'est devenu un bien du Kohen, de ce Kohen précis. Des chal alea issur de irani dachat. Et maintenant lui incombe l'interdit des biens de la irani dachat. Au milieu, lo ayu a troumot nisrafin. Malgré tout, on ne brûlait pas les troumot, kishar shalala, comme les autres richesses de la ville. Des noms, mais elles zénanan bakuleai, afin que l'on ne la méprise pas tellement. Les fikar irak, c'est pour ça que la Torah a dit, laisse-les pourrir de manière générale. Tout ce qu'on ne peut pas détruire lorsqu'on récupère du pain après un Shabbat, Sheva Brachot, où il reste plein de pain par exemple, il ne faut pas jeter le pain à la poubelle, c'est un mauvais signe. Alors qu'est-ce qu'on fait? On le prend, on le met de côté, on le laisse pourrir de lui-même. On peut même l'enfermer dans un sac plastique, de manière propre, sans mettre dedans rien du tout. Forcément, il va devenir, dès qu'il va devenir vert, qu'il n'est plus mangeable, on pourra le mettre à la poubelle. Non, ça s'appelle, on connaît Marikiv, Irakevu, on les laisse pourrir. On est idem aussi avec les fruits de la Shvite. Veim Trouma Beyad Israël maintenant. Si la Trouma, elle était encore dans les mains d'Israël, soit j'avais prélevé la Trouma, et je ne l'ai pas encore donné au Kohen, puis ensuite il y a eu la Irani Dachat, alors quoi? Shlal Gavou. C'est un bien qui appartient à Hachem, parce que ça appartient à Hachem, mais Tinatel à Kohen, chez Beir Achet, on parle de donner un Kohen d'une autre ville. Ou Maaser Sheni,
On avait vu aussi pour le Maaser Sheni qu'il faut l'enterrer. Aval gav de mamon Israël, ou bien que c'est du bien, un bien qui appartient au Israël, le Maaser Sheni m'appartient à moi. J'avoue, on est Echal Israël, parce que c'est moi qui vais le manger quand je monte à Jérusalem, malgré tout. Oui, le Vekadesh, malgré tout, il est un petit peu entre les deux. Il m'appartient, mais il est aussi un petit peu Kadosh. L'Oïsaref et la Ganes. C'est pour ça que ne le brûle pas, mais contente-toi uniquement de l'enterrer. Kalil Hashem Elokecha, Marabi Shimon, Yochol Garsinan. Velo Garsinan, Shenehemar, Kalil Hashem Elokecha. Il ne faut pas dire comme le dit le verset, d'accord? L'Ota Aseginot ou Pardessim. On ne reconstruira pas, ça c'est la vie de Rabbi Yossi à Galili, que l'on ne pourra pas faire de cet endroit ensuite un guinot ou par des signes des jardins, des vergers, des odes. L'otibane od, les gamres et machma. Plus jamais, ouais, le mot od encore, il laisse entendre qu'on ne fera rien d'autre dessus. Kemoche Aïta, et Rabbi Akiva lui interprète le psuké entre moi, il dit non, l'otibane od, kemoche Aïta, telle qu'elle était, Bishuv Batim, où il y avait dedans des installations de maisons. Aval, naasit, hi, guinot ou par des signes. Par contre, on peut en faire des jardins. Et des vergers, et la chakra, 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 et